Monsieur TV la caille haiti.com, gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Jodi an c'est mardi et 11 juillet 2023 et nous comptons avec vous pour nous porter vidéo de formation ça pour vous. Mais juste avant, n'a dit un grand merci à tous les amis, tous compatriotes qui pas jamais lagué channel ça. Mesdames et messieurs, et n'a dit merci à tout nouveau abonnez-nous yo guys et n'a dit ou même qui fait tomber sur channel ça pas hésiter, abonner, like et surtout quitter un commentaire. Bon, gros nouvelle nous porter pour là et faut que nous aujourd'hui à là la police qui fait un gros coup là côté arrivé ben mettez presque 10 à 12 bandits et mêlé avec vol tout en bas côte. Mesdames et messieurs, et ben parmi si là nous pral éviter ouais quelques photos là-dedans yo et gagner et quelques membres 400 marozo gagne 3 là-dedans c'est membres 400 marozo nèg ça va théoriser moun nan li la voix et la police arrivé bété nèg yo en bas côte. Mesdames et messieurs, et gagne divers l'autre là tout. La police et ben mettez nèg yo en bas code, nèg yo te chargé cartouche, yo te chargé zam sou yo ki donc nèg yo te gen pile munition ak l'argent et la police arrivé mettez nèg yo mortellement blessé. Et ben dans vidéo ça, mesdames et messieurs, nous pral invité ou garder et tendez ben comment ça te nous gen information tout sou nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince et nous pral invité ou attendez côté le tap bay tete toute nouvelle ak détail en sou. Et yon gros dossier qui tape dominé actualité ya, et bien finalement commissaire gouvernement Port-au-Prince qui remplace Jacques Lafontaine, et bien monsieur tape bay détail parce que tete ak mouvan pat fin clair sur dossier ça. Et bien commissaire pral parler et monsieur dit en pile causé et monsieur mette dossier dans déplamé tete ak mouvan. Et bien nous pral inviter ou en gen détail sous citoyen ça, et bien qui dit même fait partie des dossiers ça qui panique tete ak mouvan. Et finalement commissaire gouvernement obligé et bien rele dans radio pour bay détail sous ça en tant de ça gen dans pays. Mesdames et messieurs, n'a tout commissaire n'a mandé pour baisser volume appareil qui la carotte attendez une direct sur téléphone non pour capable faire un petit parler. M'tendez monsieur commissaire, entendez non commissaire de Guillaume et Fonti. Oui. Entendez non commissaire. Oui, allô. Entendez non oui. Commissaire, est-ce que entendez commissaire, est-ce qu'on attendez nous sous téléphone là, directement et descend volume récepteur pour là ou attendez nous dans émission ou attendez émission. OK, moi là m'attendez non. OK. OK, commissaire, entendez-nous 5 sur 5. Ah oui. OK, commissaire, bonsoir et bienvenue, c'est vraiment plaisir pour avoir dans cadre d'émission ça Haïti Kontouni et Tikozak Tete en duplex ou sur paquet radio dans pays d'Haïti et ou sur internet là nous un peu partout. Comment nous y est commissaire, est-ce qu'on en forme? Nous très bien jusqu'à présent, n'a travail et puis pour nous porter résultat bay population. N'a travail, commissaire dit n'a travail John. Commissaire a dit l'a frappé. Nous allons poser commissaire avec la question. Moi, oui, là, comment bilan est là? Positif, mitigé, négatif? Comment ça va? Au cas constaté, parce que nous avons publié bilan sur page non qui c'est Edler Guillaume. Donc bilan disponible. Donc il revient à vous même pour garder est-ce que bilan positif ou négatif? OK. Non, mon cas dit bah non, l'idée est-ce qu'on a senti que au fond travail qui moi très satisfait. OK, moi très satisfait des bilans. M'était bon vieux 7 sous 10 commissaire à l'époque. M'était bon vieux 7 sous 10 mais n'a pas nous dans 6 mois qu'a vinn là parce que faut nous bon temps pour travailler. Ça très très important. Mais m'était là go vieux 7 sous 10 pour. Merci commissaire. N'a pas mais pour nous prendre plus. Pas de problème. Alors commissaire Elder Guillaume, c'était il était dans plateau central, il aurait allé là, c'est lui même qui remplacer. Commissaire faut-il fermer l'autre téléphone dans pour nous s'il vous plaît. Viens descendre le volume. Ouais, pour capable passer bien. OK. Commissaire, c'est lui qui est actuel commissaire de Port-au-Prince, commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Commissaire, après-midi, c'est pour un sujet très spécial que vous voulez pour ton précision, clarification. Je me songe moi-même personnellement, tu as un dossier sur GBank que tu as traité, côté que c'est peut-être le premier journaliste qui t'a parlé sur le dossier ça. Lorsque tu as gagné une dame quoi, qui est Anne-Marie Ketia, qui sont employés sur GBank. Et puis, il y a plusieurs monde qui étaient accusés, comme quoi elle t'a pris un paquet de l'argent client, ça a le sauvé à Kyo. Et par la suite, il y a l'année après, dénonciation ça, des CPJ qui travaillent, ils viennent faire sortir une liste côté plusieurs monde, ils ont accusé et ils ont arrêté monde ça. Cependant, on t'a regardé un article pendant ce maintenant, un média écrit côté dit, ou même où t'as participé dans une sorte de complot,
tu as gagné en sorte de pot de vin, si je n'ai pas répété l'article là qui t'a baillé, pour que tu as joué une libération et non cité. Qui ça baille là, le commissaire, par l'acte pays, le monde entier connecté? Ok, merci d'être offert une occasion pour me porter certaines clarifications dans le cadre de ce dossier. Ça qui m'a attiré l'attention, nous. Moi installé dans le parquet le tribunal de première instance de Port-au-Prince depuis le jour 29 mai 2023. Mon côté de yon grand dossier dans le parquet. Donc moi saisi tande ça. Mais il y a un principe qui dit le parquet est indivisible. Et tant donné que c'est moi-même qui administrateur dans le parquet, si on bagaille qui passé et pas grand qui passé, c'est clair. Dossier ça. Qui ça y est exactement Jean-Ké Outil là? C'est ça ne besoin pour. C'est un dossier. C'est un dossier qui te gagné un substitut commissaire du gouvernement en la personne de maître Jean-Claude Jean-Antoine. C'est un commissaire du gouvernement qui est très compétent, qui fait travailler avec la loi en main. Donc qui ça t'a informé de dossier? L'idée dit que commissaire du gouvernement, grand dossier qui vient là dans parquet, hein? Dossier ça, c'est un dossier qui est là-dedans, abus de confiance, vol et association de malfaiteurs. Je dis ça qui passe, expliquez-moi le dossier, exactement ce qui ça le dossier. L'idée dit que les analyser dossier ça spécialement, Jean-Claude évoqué, hein? Dossier a été un certain de l'Ivens l'IFEP qui était la donne et d'ailleurs de CPJ tout fait recommandation pour ne pas reprocher le dernier. Donc, l'IOS est un monde qui est capable de libérer. Les nous garder vraiment, nous constater que n'est pas impliqué de ça pour mettre sous dollar là. Par conséquent, les jeunes liberté. Maintenant, vous avez deux autres mesdames qui sont dans le dossier. Deux autres mesdames, les nous gardons, une note, Sojé Bank fait sortir. Sojé Bank dit que les mêmes gens sont des plus bons employés dans l'administration. Et d'ailleurs, ils n'ont pas reproché de rien et ils n'ont pas fait rien pour eux. Nous gardons une dame qui a besoin de Sonia Provision Alimentaire. Li di li même qui comme yon victime, li pas déposé plainte contre deux mesdames sa yo. Mais li plainte li a li même li déposé contre madame Ketia Jean-Réléa, Noël, George. Ok, Ketia George. Et dame sa bien avant, li te gete pren la poudre de scampette. Le nou gade, nou pren san nou, nou tan de dossier, mkwe dame nan rele se George, Anne Ketia. Yeah. Exact. Ouais. C'est non, ça. Donc, dame ça, t'es guetan jetel. Dame nan jetel. Dame nan, qui c'est Sonia, provision alimentaire, qui pote plainte contre dame nan, Jean qui nous sont expliqué là. Dame nan guetan jetel. Et gen l'autre moun, yon te déposé plainte contre yo. Ben nous gade, notre Sojé Bank là dit que, yo même yo pa gen problème ak deux mesdames sa yo et nous mandé dame nan di li même tout li pa déposé plainte li a contre deux moun sa yo ki sans servir nan parquet a len gade nous comprendre dossier a Sojé Bank tellement comprendre dossier tout Sojé Bank remettre dame nan kobli en attendant que pou yo poursuivre Ketia ki sa yo fait. Même dame ça qui c'est Sonia qui s'est représenté Sonia provision alimentaire li al kay notaire li fait un acte désistement qui désiste li désister parce qu'il joine cobli et en plus mesdames ça qui n'a pas qu'elle pas déposer plainte contre yo. Mais ça me veut attirer attention non. Écoutez commissaire, l'affaire acte de désistement qui fini la boue m'a fini la boue pour s'il vous plaît. Donc l'elle fait ça, donc nous constater effectivement que plainte là pas déposé contre yo. Gen désistement qui dit que lui-même il pas entendre moun sa yo, il vient cobler satisfait.
Mais l'en garde dossier, nous t'a trouvé li trop facile pour un antikrasta soje bag getan remet moun nan des kom ki sansé ta détourné. Nous même comme commissaire du gouvernement, disons les parquet choisi déférer dossier ça dans cabinet d'instruction pour les suites légales. Son dossier qui traité dans vendredi soir, deux jours dans lundi dans la matinée, dossier ça côté n'a parlé à, il est déjà déféré dans cabinet d'instruction. Donc affaire question ta bail, moi même commissaire Guillaume Edler comme avocat de la société, chef de la poursuite, nos bagages comme ça on pas ta impliquer là-dedans ni de près ni de loin. Donc ma partie attention non pour me dire non, dossier ça, il pas un dossier qui classé sans suite. Mais ce sont des dossiers qui déjà dans le cabinet d'instruction qui a fait chemin. Comme il y a un principe qui dit que l'instruction est secrète, moi-même en tant que commissaire du gouvernement, il y a un dossier qui est dans le cabinet d'instruction, je ne peux pas avoir d'informations sur lui encore. Il n'y a pas l'autre bagaille qui ça, nous tendez, mesdames, yo, j'en yon liberté, et lundi, yon liberté, ça signifie pour nous, yo pas dans cabinet d'instruction en état, yo aller libre. Tout ça te gagne soit comme document, soit téléphone yo, tout dossier ça yo acheminé au cabinet d'instruction pour les suites des droits. Et ensuite, l'autre monde qui censé normal yo, m'pa ka ba ou non, gon paquet mandat d'amende qui était déjà décerné contre moun sa yo, que la police a cherché. Donc c'est un dossier qui dans cabinet d'instruction qui a fait chemin. Commissaire, n'a pas quitté aller, mais ça, vous connaissez moi-même très sensible pour partie ça. Gagne un problème en Haïti surtout, c'est les affaires détention préventive. Et ils ont ajouté prolongé. Commissaire, Mtero font visite dans une prison. Yo, comment ça y est? Est-ce que ou même sous administration Portland, ou pensez que il y a des prisonniers qui pourraient joindre appui ou comme commissaire dans le sens que pour essayer d'étendre pour dossier au faire chemin yo, parce que grand pile petit jeune qui a plein qui dans prison parfois gain c'est dans arrimage yo prend yo gain yo arrêté pour l'autre pendant m'a dit ça m'gon cas dans tête là gain un frère monsieur qui pose en action yo pas joindre frère yo arrêté monsieur gain 5 ans la ferme dans prison qui comment est-ce qu'on gagne justement un plan d'action yon bagage spécial pour ces prisonniers. Sou ta gen information sa ou bam nan, li pran mwen a cœur et li gen une importance totale capitale pour moi. Parce que au regard de la loi, la responsabilité pénale est personnelle. Personne pas capable poursuivre nan place yon l'autre moun. Sou ta gen comme ça quitte en prison pour mettre informé de li et puis m'pral travay sou li. Nan moment que n'ta pral installer comme commissaire du gouvernement, chef gouvernement, ministre justice là, yo ban mwen yon feuille de route. À travers feuille de route mwen, yo mande pour mwen combattre ça qui a appelé la détention préventive prolongée, arbitraire et illégale. Problème ça l'aime rive nan paquet en tant que commissaire du gouvernement, avocat de la société, nous aller pour te combattre problème ça. Nous entendre problème et combattre li en amont et en aval, on a constaté que nous fait des pèlerinages, si vous voulez, n'aller dans prison, n'aller dans tout commissariat, sous-commissariat yo, pour n'aller regarder des monde qui ont arrêté pas gain matière, soit un juge de paix, soit un policier, soit un monde parce qu'ils sont gros négligés, ils choisi arrêter un monde pour le mettre de côté pour le faire payer bouche li. Et ben l'en dérivé quand on t'a regardé pèlerinage nous yo, nous t'a allé dans commissariat de Port-au-Prince, dans Canapé Vert, dans Delma, dans Pétionville, dans Delma 62, nous passer dans toute prison yo pour nous regarder ce qui a passé. Eh bien, l'intérivé dans commissariat et sous-commissariat, il y a un paquet de monde qui a arrêté pour une petite infraction, bagay moun qui te prend un petit téléphone, yon moun qui a un petit corps pour le bagay yon moun qui n'a pas qu'à payer. Yo traîné sous forme abus de confiance, yo jeté nan prison nan garde à vue. Ou après nous libérer en quantité là-dedans parce que pas de matière pour yo arrêter yo. Et l'autre bagaille nous bataille,
pendant que moi arrivé dans parquet de Port-au-Prince comme commissaire du gouvernement a fait tic cric tic crac nek qu'on a mettre mandat d'amener des moun en dehors de flagrant délit nous stopper bagaille ça nous stopper bagaille ça moun bagaille venir pour on nous pas gagne aucun problème avec lui soit c'est ménage nèg là au filet soit un petit problème avec lui lui joigne un commissaire du gouvernement qui démèche avec lui si vous voulez qui de complaisance avec lui le bon mandat d'amener pour aller exécuter mandat pour un monde mettez mon côté nous dit pendant commissaire gouvernement pendant dans parquet de Port-au-Prince tant que moi existe comme commissaire du gouvernement liberté au monde faut que ça respecte abus de pouvoir combat ça c'est pas oui nous combat ça pas gagner encore commissaire et en plus et en plus quand on t'est touché problème de détention préventive là en plus qui ça nous fait ou après nous organiser des audiences correctionnelles en grande pompe pour tu être une quantité monde qui était déjà allé juger moun yo condamné mais c'est des moun qui t'a condamné pour 1 an 2 ans de prison alors que moun nan te gagné 3 4 ans 5 ans de dans prison donc loi yo elle Hippolyte Lestinas là jouer en faveur moun sa yo tout moun sa yo entré la caillou déjà au moment où je vous parle déjà en pour parler avec les doyens Chavanne qui a ban mon collaboration sans faute donc qui ça qui nous fait nous étant préparé nous pour organiser des assises sans assistance des jurys qui a dû commencer dès demain matin si bon Dieu veut nous pas qu'à démarrer pour tête contrainte même bon garantie lundi cap 17 juin n'a démarré en grande pompe avec les assises criminelles. Donc nous avons 66 dossiers qui vont passer dans assises ça yo. Moun qui a condamné, moun qui a libéré. Donc bon, nous entendons combattre ça. Commissaire, nous allons finir avant oui là, j'ai une question pour vous et ça que fait besoin poser une question ça, c'est parce que moi gagné des commissaires du gouvernement qui te qu'on prend plaisir utiliser des CPJ pour régler les affaires personnelles. Est-ce que des CPJ, est-ce que depuis des CPJ vous avez un dossier by commissaire du gouvernement à Rapoli, commissaire a droit fait ça des CPJ mandé. Est-ce que commissaire a pas qu'à décider libérer un monde si des CPJ dit moun ça fait un délit ou bien un crime. Bon, m'attire attention pour me dire que commissaire gouvernement, c'est lui qui met chaîne pénale là. DCPJ travaille pour le compte du commissaire du gouvernement. Parce que DCPJ pas qu'à imposer commissaire gouvernement pour lui dire mais ça le doit faire. DCPJ lui fait travail, lui saisit dans le cadre s'il y a flagrance, s'il y a flagrance, lui agit, lui redresse rapport. Si gen flagrant délit, li interpelle moun, li prend toute preuve li gen, li voye l'aller nan parquet. Si DCPJ vont un dossier, li pa gen consistance, eh bien parquet a pa pral entrer pour l'appliquer, pour appliquer en extenso yon recommandation DCPJ fait. Donc parce que le DCPJ travaille pour le compte du parquet. Et nous apprécions le travail. Il a fait un gros travail, malgré moi, il n'y a pas rien. Nous apprécions le travail qu'il a fait. Il faut tout le monde reconnaître que DCPJ a fait un gros travail dans la société. Donc, à cette question, DCPJ a décidé de pour moi suivre mon bagage matière, mon ça m'a libéré. Depuis DCPJ, par contre, le dossier bien fini, nous regrettons ça. Mais parfois, moi, DCPJ, qui a été mon lacaille plus que 45 jours, est-ce que DCPJ a été mon lacaille pendant 45 jours? Est-ce que c'est illégal? Sur qui est-ce que basé pour le lacaille? Jusqu'à présent, il a fait un gros travail. C'est parfois DCPJ s'il arrive à être mon lacaille pendant 45 jours. Si on gagne DCPJ, nous gagnons pour tout le pays. DCPJ gagne une quantité de dossiers qui travaillent sur eux. Ce n'est pas faute. Doué Godel est légal. Il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on comprenne. Nous avons bataille, nous avons fait effort et nous avons bataille pour nous soutenir ça. Pour nous avoir arrêté de respecter. Bon, il y a travail, il y a fait effort. Nous ne sommes pas capables de lapider comme ça. Nous comprenons ça. Je ne vais pas avoir trop de questions pour vous, CG. Teriel Telis pour le fini. Mais avant ça, dans quel niveau bataille contre corruption est-ce dans le paquet CG? Est-ce que il y a poursuite dans cause paquet qui a cassé matin, midi, soir? Dernier mois que ce passé là, je ne sais pas combien de fois il a cassé paquet.
Bon, pour les présents moments, pendant le commissaire gouvernement, pas qu'il y a beaucoup cassé. Oui, ça a beaucoup cassé. Même si vous avez dit, vous avez un cas comme ça qui est fait, dossier ça dans le cabinet d'instruction déjà. Ok. Pas qu'à dire plus de bagages sur lui, comme surtout déjà, l'instruction est secrète. Et l'autre bagage nous fait nous renforcer sécurité paquet. Nous baillons paquet, nous baillons agent au moyen. Et pendant qu'il est là, si paquet arrive cassé, et bien, depuis c'est moun qui t'a baillé paquet à sécurité, n'a pas qui ça avec eux. Seulement ça qui m'a fait. On va parler, commissaire. Je qui m'a dit déjà. Je qui m'a dit.